Et yo les gens, c'est DiaboloFit35, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle, eh bien, on va essayer de faire prononcer à Bob son premier mot. En fin de compte, souvenez-vous, Bob et ma copine étaient partis un week-end chez leur grand-mère. Du coup, chez la grand-mère de Bob et du coup, chez ma mère. Et là, aujourd'hui, ils vont revenir, ce qui fait que Bob va se retrouver avec nous. Je sais pas si ma copine va pouvoir rester tout au long de l'épisode, je ne pense pas parce qu'elle a du travail. Mais en gros, Bob va rester avec moi, Tom et Juliette. Et le but de cet épisode, c'est d'essayer de lui faire prononcer son premier mot, vu qu'il est assez précoce, voilà, il arrive à faire déjà plein de trucs alors qu'il est tout bébé. Donc là on va essayer de lui faire prononcer son premier mot, je pense que ça va vraiment être très drôle. Si tu me découvres sur cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. C'est extrêmement important pour ne louper plus aucune de mes prochaines vidéos. En plus de ça, tu feras partie de la team zombie. La team zombie c'est qui? C'est tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, du coup abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et si tu veux plus de vidéos avec ma famille, eh bien je t'invite à mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo, puisqu'à 5000 pouces bleus sur cette vidéo, je refais automatiquement un nouvel épisode avec ma famille. Bref, du coup là apparemment ma copine devrait pas tarder à arriver avec Bob. Voilà, elle m'a envoyé un petit SMS tout à l'heure, donc là on va l'attendre patiemment et puis dès qu'elle arrive, bah ah ok c'est bon, je crois qu'elle est là. Ok, j'ouvre. Coucou mon cœur. Coucou. Coucou mon cœur. Alors le week-end chez grand-mère, c'était cool? Bob il a pas trop fait de bêtises? Non, tout était parfait, il a été sage et tout. Du coup je te laisse aujourd'hui comme prévu, moi j'ai du travail en ville, je vais rentrer tard. Vas-y, bah pas de soucis. Ok, on se voit ce soir de toute façon. Oui oui, t'inquiète pas. Bon bah bisous. 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 Hop, c'est bon, hop, c'est bon. Alors Bob, comment c'était? C'était cool ton petit week-end avec grand-mère? C'était cool? Ok. Ouais, Tom, tu peux descendre aussi. Tom, tu peux descendre, il y a votre petit frère Bob. Et vous pouvez tous descendre. Juliette est déjà descendue, mais Tom est pas encore descendu. Il y a ton petit frère Bob, Tom. Regarde. Coucou Bob. Alors? C'est bon, ils sont de nouveau tous réunis. Voilà, ça fait plaisir de voir tous mes enfants réunis. C'est pas souvent, mais en tout cas voilà, ils sont tous réunis dans cet épisode et ça fait vraiment plaisir. Bon, les enfants, venez, on va tous dans le salon. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Venez, on va tous dans le salon. Allez, asseyez-vous dans le canapé. Asseyez-vous tous dans le canapé là. Je sais bien Juliette que t'adores tes super pouvoirs. Allez, asseyez-vous tous dans le canapé là. Tout le monde s'assoit. Non, je te vois au-dessus. Hey Bob, viens t'asseoir là. Il a pris une saucisse, il a piqué une saucisse. Allez, papa, je suis en mode... Ouais, vas-y, ok, vous êtes tous dans le canapé? Ok, c'est bon, vous êtes tous dans le canapé. Alors, j'ai une petite idée pour aujourd'hui. En fait, votre maman, elle est repartie au travail, là, du coup, aujourd'hui, on va se retrouver solo pendant un petit bout de temps. Genre, on va avoir un petit peu de temps libre. Et du coup, ce que je me suis dit qui pourrait être très très cool, c'est d'apprendre le premier mot à Bob. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Ça vous plairait qu'on apprenne un premier mot à Bob? Ok, alors vous avez envie de lui faire quoi? Non, j'avais plutôt comme idée, on va essayer de lui faire dire papa ou maman, parce que voilà, papa et maman, c'est quand même les mots, voilà, les principaux mots que prononce un bébé, genre, quand il commence à prononcer ses premiers mots, en fait. De quoi? Tu veux que je dise quoi? Tominou pour Tom, là. Ah oui, non, mais Tominou, c'est un peu compliqué à dire, tu vois, papa et maman, c'est juste en deux syllabes, du coup, c'est vraiment facile à dire pour un bébé, tu vois. Bah Tom, ouais, on pourrait essayer Tom aussi, mais d'abord on va essayer quand même papa et maman, du coup je pense que ça peut être vraiment cool. Alors Zizi aussi, comme la vieille. Ah Zizi, ok, ouais Zizi, Zizi c'est en deux syllabes en plus, donc ça peut le faire, effectivement. Ah Juju, ah comme Juliette, ah ok, Juliette et Tom. Je connais pas de Zizi moi. Bah je sais pas, on le verra peut-être dans les prochains épisodes, on verra. Bob, hé, pars pas, reste assis, voilà, parce que Bob lui il est très hyperactif. Du coup genre il peut se barrer à n'importe quel moment. Non arrête Bob, pas de pétage de plomb. Bref, du coup vous êtes chaud ou pas pour lui apprendre son premier mot? Oui. Ok, alors venez, on va tous aller, genre sais pas, on peut aller à la piscine. Tiens, on va allumer la piscine, hop. C'est bon, on va aller à la piscine. Tiens, pourquoi la piscine, oui, elle a moitié fonctionné là? Aïe. Ah, c'est bizarre la piscine, comment ça se fait qu'elle fasse ça? Ah, je sais pas, c'est bizarre. Avant il y avait... Avant il y avait... Bah non, c'était jusqu'au bout, papa. Bah ouais, c'était jusqu'au bout, je sais pas, c'est bizarre. Bon bah... jusque là. Ouais, on appellera un réparateur la prochaine fois, du coup on va pas aller à la piscine, on va plutôt aller sur le bord de mer. Allez, venez, on va tous sur le bord de mer. Ouais. Ouais. On appellera un réparateur pour la piscine, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un petit bug sur la piscine. Bref, du coup, on va ici, ok, et pas trop de bêtises, pas tous dans l'eau. Bob, reviens ici. Bob, il s'est barré en 2 secondes. Donc déjà, les gars, je vous conseille vraiment de rester jusqu'au bout de cette vidéo pour savoir si Bob va réussir à dire un mot. Et en plus de ça, ma copine reviendra à la fin de l'épisode, du coup, franchement, restez bien jusqu'au bout, c'est important. Donc voilà, bref, Bob, t'es où? Bob, t'es où? Allez, venez. Eh Bob, viens, descends ici. Venez, ce qu'on va essayer de faire dire à Bob en premier déjà, c'est pas ou ma. Tu sais, pour comme ça, ça va commencer. Donc vas-y, essaye de dire pas. Dis pas, Bob. Pas.
Attends, t'as dit quoi là? Ma. Ma. Attends, non, c'est pas ma, c'est ba, ba. Non, pas. Je m'embrouille moi-même. Dis pas. Pas. Vas-y, dis pas. Ba. Ba. Attends, non, c'est pas ba, c'est pas, genre avec un p. Pas. 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 Voilà, comme ça. Vas-y, essaye de le redire. Allez, on essaye encore. Pas. Allez, vas-y. Pas. Pas. Non, c'est pas ba, c'est pas. Allez, dis pas. Pas. Ah, c'est bien. C'est bien. Attends, vas-y, on va essayer encore. Vas-y, essaye de maintenant ma. Essaye de dire ma. Ma. Ok, ma et pas, c'est bon, il l'a intégré. Vous êtes fiers quand même de votre petit frère. On peut l'applaudir. Allez, on l'applaudit tous. Ouais. Allez, on l'applaudit. Bravo, bravo. De quoi? Ah mince, attends, je vais l'enlever. C'est bon. Ok, c'est bon. Il a un truc devant. Et du coup, là maintenant qu'il a appris à dire pas, franchement, je pense que c'est pas mal. Du coup, vas-y. Aïe. Bob, reviens ici. Essaye de dire papa. C'est deux fois en fait. Tu dois dire papa. Maman. Il a confondu papa. Non. Attends. il dit maman. Non. Et non, c'est pas. C'est pas. Papa, c'est une maman. Non, c'est pas maman. Non, ouais, c'est pas. Pas essaye de dire papa. Je... Bon, il a dit maman, mais moi je voulais dire qu'il dit. Ah, j'avais peur d'être une fille. Non, maman. En fait. Non, il dit que maman. Non. Et. Tu veux pas essayer de dire papa? Allez, s'il te plaît pour moi. Allez, papa. Maman. Ouais, je crois qu'il sait que dire maman. Allez, on un dernier petit effort. Allez, papa. Papa. Ah, papa. Ah, il est tout proche. Bon, allez, une dernière fois. Papa. Maman. Non, c'est pas maman. Allez, c'est papa. Et hey, what? Il est parti où là? Il est parti. Mais attends, il est parti tout en face. Et vous avez pas un bateau pour moi? Maintenant, il est trop vieux, papa. Ah, ah oui, mais moi j'ai pas de pouvoir. Et faut qu'on aille le récupérer par contre avant que votre maman y rentre. Parce que, faut qu'on lui montre ses exploits. Il a quand même réussi à dire maman. Bah, par contre, il a pas dit papa, il a dit papa. C'était pas tout à fait maman. En tout cas, il apprend vraiment vite et ça, c'est exceptionnel. Et Tom, faut qu'on aille absolument les voir. Viens, on va se jeter à l'eau, on va nager. Allez hop, c'est parti, let's go. Oh, l'eau, elle est froide. Hein. Tu la trouves comment, toi, Tom? Moi, elle est bonne. Tu la trouves bonne, toi, l'eau? Ah ouais, moi, je la trouve super froide. Ah, c'est bon, j'ai trouvé les serpents de la maison. Ouais, faut qu'on aille le récupérer, mais il est un peu coincé. J'espère qu'il va pas faire trop de bêtises. Ah ouais, parce qu'en plus il y a la tour juste à côté, j'espère qu'il va pas monter en haut. Oh, imagine Tom, il monte en haut, comment on fait? Je sais pas. Oh. Je les vois voler. Attends, parce qu'il faut qu'on trouve un moyen d'arriver en fait. Parce que là, regarde, on peut pas accoster ici. Ok, Tom, t'es pas trop fatigué en train de nager? Non. Ok, bon, ça va alors. En tout cas, il a dit ses premiers mots, notre fils Bob. Enfin, mon fils Bob a dit ses premiers mots et ça fait vraiment plaisir. Enfin, du coup, le bébé. Il y a quoi ici? Attends, je vais regarder vite fait. Il n'y a rien, ok, papa. C'est cool. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un escalier. Ah, merci, vas-y, ça fait plaisir, Juliette. Bon, Bob, t'es passé où, là? Faut qu'on le ramène à la maison. Il est coincé là-haut? Bob. Ah, faut qu'on aille le descendre. Là, papa. Mais non, parce qu'il s'est volé, normalement, il est pas coincé, qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, il a peur du vide, pourquoi il est coincé, papa? Ok, c'est... Wow. Oh, il est monté tout en haut. Il est monté tout en haut. Wow! Ok, wow! Attends, il va bien, Juliette, ou quoi? Ah oui, il est juste ici, ok. J'ai pas eu le temps de le suivre, papa. Bob, essaye de dire papa. Maman. Non, il fait que dire maman. Non, faut qu'on arrive à le choper. Faut qu'on arrive à le choper. Eh, vas-y, Tom, suis bien, parce que nous, on n'a pas des super pouvoirs, en fait, c'est compliqué. Moi, j'en ai un petit peu, mais le problème, c'est que... Non. Bah ouais, mais t'inquiète, tu les auras à 12 ans quand tu vas te transformer en zombie. Allez, hop, viens. Bob. Attends, si je te l'attrape, tu me dis, papa. C'est bon, je l'attrape. Non, il t'a échappé des mains. Faut absolument qu'on arrive à rentrer à la maison. Je sais pas comment on va faire parce que là, il est vraiment ultra énergique. T'as pas des blocs à me passer? Juliette, toi, je sais que tu casses là les blocs super vite. T'as pas des blocs à me filer? C'est bon, je l'ai attrapé. Ah non, il est remonté. Attends, je vais aller chercher là-haut. File des blocs parce que là, il va repartir direct là-haut. Ok, vas-y, file attends, des blocs. Papa, il est plus là-haut, il est là, il est venu pour me. Viens là. Viens, file-moi des blocs, Juliette, file-moi des blocs. Oui. File-moi des blocs parce qu'il va repartir là-haut. Allez, viens, Bob, allez, viens. Hop. Bob, je t'attrape. Oui. Il va remonter là-haut, est-ce qu'il va remonter là-haut? Non, ok, il est reparti juste en face. Oh mince, viens ok. Viens là, Bob, viens là. Il est insupportable, ça va être super dur de le choper. Je t'ai attrapé, je te tiens. Non, attends, je vais aller chercher. Attends, Juliette, descends. Hop, attends, je vais aller chercher moi aussi. Je vais aller chercher. Hop. C'est bon, papa, je te le tiens par la main. Ok, allez, c'est bon, hop, c'est bon, j'ai chopé Bob. Ok, allez, maintenant tu descends. Viens, Bob, on va descendre par ici. Hop. Allez, hop, on descend tous. Ok.
et on va casser. Oui. Vas-y, tu peux casser la tour, Juliette, vu que tu casses super vite. Non, comme ça, attends, quand tu vas me faire descendre. Papa, mais il va s'enfuir. Ok, bon, je peux pas descendre moi du coup parce que je suis coincé en haut. Est-ce que tu peux casser? Tom, tiens bien Bob. Tu tiens Bob. Tu tiens bien Bob. Ok, parfait. Ok, vas-y, fais-moi descendre. Vas-y, hop. Vas-y, casse. Vas-y, parfait. Ok. Bon, par contre, maintenant il va falloir un bateau. Est-ce que t'as un bateau? Eh, Bob, je te tiens. T'as un bateau, Juliette? J'ai moyen de trouver ça. Vas-y, parfait. Juliette, de toute façon, elle a tout sur elle. Elle a des blocs, des plein de trucs. Ah bah. Arrête, mets-en pas autant. On va juste en mettre un à la mer. Allez, Bob, tu montes avec moi dans le bateau. Il est passé où, Bob? Ah non, il est parti tout seul. Ok. Bon, moi, c'est parti, Bob. Ok, on retourne tous à la maison. Allez, let's go. On va à la maison. Let's go. T'inquiète pas. Vas-y, bah, parfait. Hop. J'arrive à la maison. C'est parfait. Allez, hop. Maintenant, on va réattendre maman. Allez, arrêtez. Hop, c'est bon. Venez, on va tous dans le salon. Allez, Bob, tu viens dans le salon. Et comme ça, tu vas montrer. Ouais, c'est bon, je l'ai chopé. Comme ça, tu vas montrer tes exploits et tes progrès à ta maman quand elle va revenir. Bon, voilà. Bon, je pense que maman va pas arriver avant un petit bout de temps. Du coup, je vous propose d'aller dans vos chambres, Tom et Juliette. Oui. Vous pouvez aller jouer, puis moi, je vais rester avec. Je vais surveiller Bob au rez-de-chaussée. J'ai trouvé une voiture pour moi. Attends, Bob, il est reparti où là? Attendez, il faut qu'on retrouve Bob. Ok, il est juste ici. Hey, Bob, qu'est-ce que tu fais? What the fuck? Je sais pas ce qu'il faisait. Ok, Bob, bon, allez, vous pouvez monter dans vos chambres. Et arrêtez de poser tout et n'importe quoi, allez. Vas-y. Bon allez, on se retrouve. De toute façon, on va se retrouver quand ma copine revient. Bon allez, vous pouvez aller vaquer à vos occupations. Je vais aller voir des copines en ville. Ok, il est tard là, Juliette. Bon vas-y, ok, vas-y. T'as le droit, mais tu reviens vers 22h, ok? Non, vas-y, Tomino, mais tu vas pas me rattraper, tiens, je te mets un. Bon ok, hey, ouais, bah prenez des caddies, tiens, hop, vous prenez des caddies et vous allez, Au revoir, papa. Vas-y, au revoir, à plus. Ah, je crois que Tom, il sait pas utiliser Caddy. Bon, bref, on se retrouve une fois, du coup, que ma copine revient. Je sais pas où il passe, Bob, je vais le retrouver le temps qu'il arrive. Et puis, je vous retrouve une fois que ma copine, il est allongé sur la table. Tu veux que je te découpe pour faire du saucisson ou... je rigole. Bon, bref, on se retrouve quand la maman revient. Bon, du coup, là, je suis avec Bob, on attend patiemment que ma copine rentre. Donc, elle va pas tarder, je pense. Et une fois qu'elle arrive... Oh, coucou. Coucou, je suis de retour. Tu sais que Bob vient de prononcer son premier mot? Mais non. Genre regarde, attends, Bob viens. Si Bob, allez vas-y, prononce ton premier mot à ta maman. Maman. Oh c'est trop chou. Bah ouais t'as vu, c'est un truc de ouf. En gros on lui a appris ça avec Bob et avec Tom et Juliette. Et du coup voilà, maintenant il arrive à prononcer son premier papa. Mot. C'est vraiment... Oh il a prononcé papa les abonnés. Oh c'est trop bien. Bon bah c'est parfait. Bon, ce qu'on va faire avec ma copine, je pense qu'on va profiter de la soirée. Je vais attendre que Tom et Juliette reviennent. Je pense qu'on va peut-être devoir aller les chercher d'ailleurs. Donc bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. On va profiter tous ensemble voilà des premiers mots de Bob. J'espère que la vidéo vous aura plu à vous aussi. On se retrouve très bientôt. Allez, bisous les abonnés. Bisous les abonnés.